Et elle a rendu son deuxième saut beaucoup plus complexe. Obonova maintenant à la poutre pour la Tchécoslovaquie, pour la Tchéquie, pardon. Une succession de sauts. Attention serrée vers l'arrière, concentration, flip, salto arrière tendu, attention. Petit déséquilibre. Encore un petit déséquilibre malheureusement. Ça ce sont des petits centièmes, des petits dixièmes qui s'envolent à chaque fois. Le pivot 360 degrés, c'est un élément imposé. Fait partie des exigences de cet agrès. Attention, on s'envole vers un salto avant. Hop, là, pas encore la sortie, mais c'était beaucoup d'élan pour faire ce salto avant. Il est sorti plutôt que prévu. Oui, sortie anticipée sur le côté. Voilà, mais c'est un agrès extrêmement difficile, redouté des gymnastes, car seulement 10 cm de large, l'équilibre n'est pas facile à maintenir. Maintenant, on s'approche de la sortie. Voilà. Elle est vers l'arrière avec une double vrille. Belle sortie, dommage qu'il y ait eu une chute sur la longueur précédente. Eh oui, un peu de déception sans doute. Consolé par son entraîneur. Bon, on verra mieux Patrick sur cet agrès. Voilà la chute. C'est malheureusement sur ces fautes-là que l'on se rend compte de la difficulté d'évoluer sur cette poutre. Ah, il faut rester parfaitement dans l'axe, bien au-dessus de sa poutre. Voilà la sortie sans problème, double vrille. Même sur la sortie, elle était légèrement désaxée, elle a failli ripper